J'ai déjà eu une journaliste qui m'a demandé comment j'avais fait pour trouver une petite fille qui me ressemble. Donc ça m'a fait plaisir. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Pour son nouveau film Aline, Valérie Lemercier incarne Aline Dieu de l'enfance à l'âge adulte. La réalisatrice a en effet choisi de ne pas engager une actrice enfant, mais de jouer elle-même la fillette de 12 ans. J'ai toujours joué des enfants dans tous mes spectacles. Il n'y a pas un spectacle où je n'ai pas joué une enfant. C'est un des trucs que je préfère faire. Donc pourquoi me priver de ça? Mais alors, comment rendre cela possible? L'entreprise française d'effets visuels Microsimage a donc relevé le défi. L'idée, dès le départ, ça a été de garder Valérie de pied à la tête, parce que elle sait très bien le faire, elle joue la petite fille à merveille. Et pour cela, les artistes visuels se sont notamment inspirés d'une des techniques utilisées pour Le Seigneur des Anneaux, la perspective forcée. Le principe est de déplacer la caméra, donc de trouver le bon ratio de déplacement de caméra pour avoir l'impression que la personne, en l'occurrence Valérie, soit plus petite. On a fait deux techniques. La première, c'est de me mettre derrière un grand bureau à l'école. Donc le bureau est si grand que j'ai l'air petite. Et la deuxième chose, ça a été 6 mois de travail à 20 personnes. C'est des effets spéciaux, là, compliqués. Ou si je joue avec vous, je vais vous regarder 50 cm au-dessus. Vous allez me regarder là au lieu de me regarder là. Et après, on me réduit, parce que c'est pas ma vieille tête sur un corps d'enfant. Hein. C'est tout mon corps qui joue tous les âges. Évidemment, on gomme les marques, les choses comme ça, les rides, les voilà. Et on me replace, on me resize avec les autres, avec les grands, avec les adultes. Gommer les marques, oui. Mais attention, lorsque l'on touche à la physionomie, il faut le faire avec subtilité. On a très peu modifié le visage parce que la moindre petite modification transforme le visage et on n'a plus la même personne. Et ça peut faire un peu freaky et c'était vraiment pas l'idée. Une petite fille, comme je disais, a une tête plus grosse par rapport à son corps, donc légèrement, mais c'est vraiment très très léger. C'est amusant de voir les avant-après parce que c'est vraiment très subtil pour faire croire au fait que Valérie a 5 ans, au fait qu'elle a 13, 14. Grâce au travail de Microsimage, Valérie Lemercier a donc pu jouer son personnage à tous les âges. J'ai déjà eu une journaliste qui m'a demandé comment j'avais fait pour trouver une petite fille qui me ressemble. Donc ça m'a fait plaisir. Souvent on nous dit, mais comment vous avez fait? C'est un corps d'enfant. Et en fait non, c'est Valérie.